Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer notre aventure sur le jeu. Et oui, évidemment, tiens, c'est étrange. On va mettre ça. Et on va le mettre sur notre épée de légende, comme ça elle est très jolie. Hop, et on va juste changer d'arme. Comme ça on est au courant. On va changer de bouclier, on a vraiment l'équipement de merde. C'est parfait. Vraiment un coffre, a priori, quelque part, en dessous, dans une grotte, très probablement. Ça doit être quelque chose comme ça. Mais honnêtement, on va s'en battre les steaks royalement. Ah, là, il y a du méchant. On les a pris en photo, eux. On les a pris en photo, eux. Ils sont tous genoux. Je savais même pas qu'il y avait encore des rouges. Je savais même pas que ça pouvait exister. J'ai quand même pris des dégâts. En même temps, j'ai une arme adaptée, comme on dit. Mais là, voilà le coffre, peut-être. Était-ce lui? Je n'en sais rien. Épée royale. Parfait. C'est nul. Alors, par là-bas, il y a quoi? Il y a des gens. Tiens. C'est étrange. Ah, il y a effectivement un coffre juste là. Bonjour, vous. Le coffre. Encore une minute. Tiens. Donne-moi juste une minute, je vais trouver un moyen. Mais t'es trop fort, frangin. Après ça, à nous le magot. Attends un peu, Prisen. Et toi, ça te prend souvent d'espionner les conversations des gens? Qu'est-ce que tu fais là et depuis quand tu nous écoutes? Je viens d'arriver. C'est nous qui avons trouvé ce coffre en premier, alors espère pas le faucher sous notre nez. Il y a même une caverne derrière. De toute façon, il est entouré de marais sans fond, il n'y a rien où poser le pied. Alors je ne vois pas comment tu y arriverais. Je parie qu'il y a un trésor dedans. Ferme-la, Prisen, pas la peine de tout déballer au premier venu. Pardon, frangin, ça m'a échappé. Ouais, bon, pendant que je trouve le moyen d'arriver jusqu'au coffre, t'as intérêt à pas le quitter des yeux. Comme tu vois, on est occupé, alors reste pas dans nos pattes. Notre trésor. Non, non, non. C'est maintenant le mien. Il y a même un puits. Eh ben, dis donc. C'est une zone riche en événements. Alors. On va pas se faire prier. On va faire une première planche. Puis on va faire une deuxième planche. Puis on va faire les petites planches comme ça. Les grandes planches comme ça. Hop. Non. Bon. D'abord celle-là. Je sais pas si on peut l'atteindre avec ça. Hein. Mais on va dire que oui. Ça devrait le faire quand même. Ah, c'est peut-être pas assez. On va faire celle-là en plus. Donc il y aura la roue. Hop. Paf. Et paf. C'est un pont de toutes les dimensions. Ça vous va? C'est pas Grosaillé et Associé qui vous fait un pont comme ça. Hein. Hey. Ouais, bon, il est pas très stable mon pont. Après, je peux faire un truc comme ça. Et juste. Ouais, je crois que j'ai un peu trop fait tourner là. Bon, ça va. Paf. Et voilà. Pas besoin d'un pont. Juste de quoi aller le chercher. Trois fleurs bombes. Parfaitement inutile. Hop.
tiens. J'y suis presque. Je suis à deux doigts de trouver comment mettre la main sur ce coffre. Hein? Et Frisen, où est le trésor? Le trésor, ben ce type l'a pris. Comment ça? T'étais pas censé ne pas le quitter des yeux? Ah, pour ça, j'ai pas arrêté de le regarder. J'ai fait tout comme tu m'as dit. Et j'ai bien vu quand ce type s'en est emparé. Frisen, quand je t'ai dit de ne pas le quitter des yeux, c'était pour justement... C'était pas juste pour que tu restes là à le regarder bêtement. Enfin, premier arrivé, premier servi, c'est comme ça, pas la peine d'en faire toute une histoire. T'es pas mauvais, tu sais, t'es aussi chasseur de trésors. C'est vrai, tu fais la même chose que nous, tu es aussi à la recherche du trésor de Lambda. Mais, Prisen, la ferme! Désolé, il sait pas ce qu'il dit. Oublie ce que tu viens d'entendre, le trésor de Lambda, bien joué, Prisen. Si tu connais pas le trésor de Lambda, c'est que t'es pas vraiment un concurrent finalement, alors je veux bien t'en parler. Lambda est le nom d'un célèbre bandit qui faisait autrefois les 400 coups à travers tout Hyrule. Est-ce qu'on a une idée de qui est Lambda, réellement, dans le jeu? Par rapport au lore de Zelda ou pas du tout? Il était dingue de mode, et d'après la légende, sa collection de fringues est encore cachée quelque part. On pense que les grottes apparues avec le cataclysme font de cachettes idéales, surtout à côté des terres d'Ordine. Avant, la montagne de la mort était en éruption, on ne pouvait pas s'en approcher. Mais depuis qu'elle s'est calmée, tout s'est refroidi et il reste plus qu'une immense zone rocheuse. Ça doit être plein de grottes qui n'ont jamais été explorées. Mais tais-toi enfin, tu sais vraiment pas te tenir ta langue. Fais pas attention, il divague. Vous oubliez ce qu'il vient de dire, ok? Oui, bien sûr. Ok, donc là, il y aurait des doubles du coup de chacun de ces... Des éléments de Breath of the Wild premier du nom. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Puis du hameau de Raoru, quoi? Comment ça? Le hameau de Raoru, ça n'a aucun sens. Là, je suis en train de me casser la gueule, là. C'est pas très plaisant. Pourquoi c'est mieux comme ça, là? Voilà. Ça marche pas, on va retourner. Hop. Il m'en faut des comme ça, non? Je l'ai eu ou pas? Je crois pas. Hop. Y a pas de coffre. Y a vraiment rien d'autre dans ce puits? Bien, hein. Ah bah il est mort. Dommage. J'aurais bien aimé le prendre. Alors. On va aller chercher le trésor de Lambda, hein, qui a priori devrait être dans la grotte par ici. Nouveau. Grotte de la colline de Raoru. On est sur la colline de Raoru. Elle s'appelait vraiment la colline de Raoru dans Breath of the Wild ou... C'est des nouveaux noms ça. C'est possible que ce soit des nouveaux noms. Hein. Ça me paraît un peu bizarre. Alors, hop. Voilà, ça dégage. Il n'y a rien d'intéressant dans cette grotte, j'ai l'impression. Oh, et ben si, il y a du diamant. Très intéressant. Bouclier de la garde royale. Bouclier royal, bah si, c'est très bien ça. Ça me plaît bien. Ça me plaît très très beaucoup. Par ici. Je ne peux pas passer, mais par là peut-être. Donc, je le fais comme ça. Ça marche plutôt bien. Je n'ai pas pris les musiques en photo. Du coup, c'est un bon raté. Salut toi. Ça, je vais pouvoir plus facilement te trouver. Et oui. J'ai même pas pensé à le faire la dernière fois. Hop, bon.
Là, il y a du... Il y a du E, mais c'est très bien ça. On va juste changer d'arme. Et de bouclier. Quoique celui-là, il peut être bien. Et non, on va garder ça. C'est pas ça que je veux changer, c'est mon arme. Ça peut être bien. Lui, il dégage. Non, je n'ai pas d'autres lances. Je n'ai vraiment plus d'armes. Hein. Ça, il faut s'en rappeler. Paf. Parce que des linelles m'ont vraiment fait perdre toutes mes armes. Enfin, une bonne partie, quoi. Ta-da-da-da-da-da! Un coffre. Il nous faut des trucs de trop gobelins de toute façon. Donc c'est plutôt bien. Hop. Tu veux bien la prendre là? Merci. Et il fait un long bâton. Est-ce qu'il y a des armes intéressantes? J'ai pas l'impression. Hop. Raté. Du sel, on s'en fout. Ça, c'est toujours bien. Hop. Graines lumineuses, de la viande. Et un coffre. Lance les ales d'argent. Pas mal. Ça, pour le coup, pas mal. Et évidemment, il pleut. Il y aura encore un coffre. Ah, raté. Évidemment. Forcément que je me suis raté. C'est pas un bouclier fait pour la glisse, ça. Ça sent très très fortement le courroux, ça. On va demander à Babil de venir. C'est pas la Babil, là. Hop. Ta ta ta. Yaha, tu m'as trouvé. Petit courroux. Ah non. Oh si, ça va. Ouf. Je pensais que Babil était là, mais non. Évidemment. Il n'y aurait pas un coffre par hasard? Cette bouillabaisse. C'est le caillou que j'ai jeté. Si, voilà. Allez, viens là, toi. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de d'abîme ici. S'il fut un temps où il y avait une tour ici, une tour Shaika, et il n'y a pas d'abîme qui vient la remplacer. Il me semblait que je n'avais pas pris ça en photo. Hop. Donc c'est assez étrange. Finalement. Mais tu vas où, toi? Tu vas où comme ça, petit bocoblin? Tu vas appeler tes copains? Ça court vite, cette merde. Non mais... Alors, par là-bas, il y aurait quelque chose, a priori. Probablement... Là, un coffre, non? Non, même pas. Par ici, alors, peut-être. Il y a probablement des coffres là. Elle était ici, la tour, en vrai. Petit sourire pour la caméra, merci. Il veut pas mourir. Non mais. Hop. On arrive dans la forêt. Tra tra.
On devrait pouvoir y accéder maintenant à la forêt. Par la forêt en elle-même. Non? Je fais tout un détour, oui. Je disais qu'il y avait peut-être un Korogu dans la mer là, mais. Enfin, dans la flotte. Hop! Histoire de couper du bois. Ouais, pour y accéder à la forêt, je pense maintenant, elle n'est plus salie. Donc la question c'est, est-ce que le chemin est le même? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Je suis intrigué. Ta 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 ta. Parce qu'à l'époque il y avait un PNJ. Et il ne me semble pas que je sois revenu depuis. Les bois perdus. Il n'y a plus le PNJ en tout cas. Est-ce que le chemin est le même? A priori, j'ai envie de dire oui, mais... Je n'ai pas de torche. Est-ce que je peux... jeter un fruit de feu? L'amalgamer. À une épée par exemple. Non, ça fait juste du feu. Je n'ai pas de torche. Oh, pas une torche par hasard. Non. Bon, on va le faire de tête. A priori, je suis censé tourner. Bah, de toute façon, il y a des cailloux, j'ai l'impression, partout. Parce qu'il n'y a même plus les torches du tout, hein. Merde. Damn. Le chemin n'est plus le même. Est-ce que j'ai juste à suivre les herbes? J'ai juste à suivre les particules, je suis bêta. J'ai pas besoin de torche. Et ça tourne. J'ai juste à suivre le vent. Donc non, je n'ai pas besoin de faire autre chose. Par là-bas. Là, on tourne. Quoi? What? C'est bizarre. Ok, je n'étais pas dans les... Ok. C'est juste un caillou. C'est moi, il y a une lune de sang qui arrive là. Bah, c'est une lune de sang, ça, non? Il y a évidemment une lune de sang pile quand je suis dans la forêt Korogu. À moins que ce ne soit pas une lune de sang. C'est diminué, ouais, c'est juste que la musique. Ok, quand on est dans la forêt Korogu, la musique de la forêt Korogu est par-dessus la lune de sang. Ok, ok. Bon à savoir. A priori, c'est par là-bas. Là, c'est par là-bas. Trop, trop. Ah, pas des coffres par hasard. Non. On va tourner. Ta 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 ta. En fait, je me demande où ça nous mène, quoi. Est-ce que ça nous mène à l'entrée du village comme avant? J'ai l'impression que le chemin n'est pas le même. Vous voyez? J'ai l'impression que le chemin n'est pas le même. Je me trompe peut-être. Est-ce qu'il n'y a plus toutes les parties avec la torche?
Ah si, on arrive à la forêt. Ah, si, on y arrive au même endroit. Est-ce que c'est le même chemin? Là, on arrive. C'était le chemin souterrain. On arrive par le même endroit. Ok. Mais je sais pas si c'est effectivement la même chose. Hop. Ta 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 ta. C'est le même chemin ou non? En tout cas, la forêt existe encore, évidemment. Mais l'accès de base, quoi. Forêt Kourougou. Ta ta ta. Hop. Toi, Noya, tu es là, ça valait le coup. Faire tout ça, qu'est-ce que t'as à nous dire, toi? Ami héros, tu tombes bien, j'ai une faveur à te demander. En ce moment, il y a des Korogus avec des soucis dans la tête. Si tu suis ces lumières, tu trouveras des Korogus inquiets. Tu devrais aller leur parler. Ah. Bon, on va aller suivre la lumière. Tout comme dans Breath of the Wild. Ils sont au même endroit. Mais celle-là, il fallait suivre le petit Korogu. Est-ce qu'il a grandi? En 7 ans, a priori, oui. Ta 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 ta. Pas utiliser un arc ou une super épée, hein. Mais c'est plus que des coups. Est-ce qu'il aurait essayé de me tromper? Serait-ce une tromperie de la part du... Ah. Merci. Hop, toi je te découpe. Ah, il y en a un autre. Ils sont combien? Barrez-vous. Mais c'est un guet-apens. C'est un guet-apens. D'ailleurs, on va peut-être mettre un... Ça, c'est une corne. Qu'est-ce qu'on peut mettre qui coupe bien ça qu'on a pas... Allez. Des merdes. Histoire que ça coupe ça mieux. Hop. D'ailleurs, je les ai butés, mais je sais pas si j'ai pris en photo ça. Parce qu'on en parle que c'est le seul endroit où je suis déjà allé. Ah, ah. Oh non. Je suis un peu con, moi. Je suis un peu bêta aussi. On va aller en souterrain. On va explorer les alentours. J'en ai marre. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu regarder sur la carte. Effectivement, j'avais déjà fait un. Et là, il y a par exemple une racine que je n'ai pas faite. Vraiment, c'est un peu bêta. Il y a plein d'esprits. Hop. Est-ce qu'on ne prendrait pas notre nouvelle tenue? Je le rappelle. Nous met les sillages de lumière. Ce qui est quand même vachement pratique. Hop. Racine de Xyz Nin. Ce qui nous indique qu'il y a un sanctuaire juste au-dessus. Que nous n'avons pas pris. Bien évidemment. Hop.
Faut entrer que par l'abîme ici, non? Hop. S'il y a bien le nuage Korogu, la forêt de du bois maudit. Plein d'arbres morts ici. C'est d'un kiffant. C'est accueillant en tout cas. Là on a les racines de l'arbre monde, je suppose. Enfin de l'arbre monde, de l'arbre mollo, pardon. N'importe quoi, oui c'est ça. C'est l'arbre mollo qu'on a là. Je suis étonné de pas avoir vu un petite mare là. Sans l'arnaque là-dedans, non? Non. Bon. On se ferait pas. Un petit déplacement rapide. Il va y avoir une racine pas loin, non? C'est de la lave. Pourquoi il y a de la lave là? Parce qu'il y a le volcan pas loin, tout simplement, effectivement. Beaucoup d'esprit là. Dommage de passer à côté, non? On va juste se mettre une petite lumière histoire de voir où on atterrit. Dis pas de bêtises, il y en avait un là, non? Ah non. C'est le chemin que j'avais emprunté, ça je crois. On peut s'en créer une vraie. Non. Plutôt utiliser notre moto volante. Même si je suis pas certain que ce soit mieux que la. Faut explorer les sites. Ouais, si, ouais, c'est ça. Ça, c'est une tâche. D'un miasme. Non. Ah non, je pensais que c'était une tâche d'un miasme, ça. Ah, c'est pas loin de Gorondia là. In fact. Non. Donc, vous voyez ça. On se casse effectivement la gueule. Là, là, il y a quelque chose là. Il y a l'air d'y avoir quelque chose. Une structure. Un éclairage. Une racine. Cils de Tilori. Ah mais c'est ça, c'est là où il y a une abîme là. Et je n'ai pas pris la racine qui est juste là, ok. Oui, c'est là où on atterrissait. Ok. On est quand même. Un peu de sonium là, tiens. On va pas se faire prier. Hop. On a de l'éclairage un peu partout. C'est pas non plus incroyablement intéressant. Hein. Le coup de l'éclairage là. Disons que ce qu'on a exploré reste éclairé un petit peu. C'est histoire de pas trop se perdre non plus quoi. De savoir d'où on vient. Mais ça nous aide pas trop à savoir où aller. Enfin, où on va plutôt. Ah. Nous avons un obstacle. Salut vous. C'est quoi, c'est un arbre? Non, c'est le même, un trompeur.
On va prendre un trompeur pour la collection de monstres. Et on va juste par contre. Le découper. Hein. Ah, c'en est un aussi. Ah. C'en est un aussi, lui? Non. Oula, celui-là, oui. Hop. Un coffre pas loin? Ça fait peur. Parce que j'ai pas vu l'arbre du tout. Il y a plein de lucioles. Ah bah il y a un coffre en fait. Ok. Il est un peu complètement random ce coffre, on est d'accord? Il sort d'où? Tunique du ciel. Ok. Bah il y a un coffre complètement random ici. À la sylve du... Ah mais non parce que c'est ok, il y a... On a la sylve machin. Ça reste quand même un peu random, mais pourquoi pas. Emmerdez-vous. Hein. Il y a autre chose à faire que de m'occuper de vous. Hop. Moi j'accède à la racine là. L'escalade. L'escalade. Hop. Ben voilà. Racine du 8. Ok. Très bien. Ça éclaire pas grand chose. Il y a vraiment beaucoup de sanctuaires par là du coup. Hein. Et puis celui-là, on le connaît. Ah. Est-ce qu'il n'y avait pas le coffre juste là? Si, si, il est en dessous de la racine. Oh. En dessous de la fontaine de fées, il y a un coffre du coup. Est-ce que sur toutes les fontaines, il y a ça? Intéressant. Intéressant. Par là, on devrait avoir quelque chose. Là, il y a celui-ci que l'on ne connaît pas. Ok. Ouais. Là, il y a une racine. Intéressant. Ça commence à prendre un peu de gueule sur le sud. Sur le sud des profondeurs. Là, on a vraiment le nord, on n'a rien fait. Pas grand-chose, en tout cas. Un peu la côte est, mais pas plus que ça. Là, c'est bien bouché. On va retourner ici. Il y avait plein de machins à aller voir. Je sais plus pourquoi on avait mis ça. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Pour l'heure, nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Ouais, là, il n'y a rien pour le coup. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.